Isabelle Alonso. Arnaud Gidois. Perry Cochat. Stevie Boulet. Et Gérard Miller. J'ai l'impression... Excusez-moi Gérard, mais j'ai l'impression que vous faites un peu la gueule, non, non? Pas du tout. Vous avez passé un mauvais week-end. Excellent week-end à Strasbourg. Je suis parti juste pour le plaisir à Strasbourg, qui est une ville que j'adore. Et est-ce que tu avais emmené ta saucisse? Tu parles de sa femme? Mais enfin, Perry. Délicatesse, Perry. Je sais pas, on dit toujours faut pas emmener sa saucisse à Strasbourg, faut pas amener je sais pas quoi. Ah bon, on dit toujours ça. Mais vraiment que toi. Ali Lohan. Au lit tout le week-end. Comment ça? Oui, c'est vrai, on peut vous le dire. Mais non, j'ai écrit dans mon lit. Mais vous écrivez quoi? Bah vous verrez bien. Ali. Un livre de blagues encore? Je parle de vous. Ali Lohan, les blagues, tome 2. Il y a que Stevie et Arnaud Gidois qui sont les plus courageux. Hein. Ils travaillent même le week-end. Quand on est sur les planches, c'est comme ça, hein, qu'est-ce que vous voulez. Hein. Non, tu remarques même pas la nouvelle couleur de cheveux de Stevie. M'en fous. Alors... Il aime pas. C'est une nouvelle tendance, cheveux sales, quoi. C'est, non, c'est vachement bien. Ah, c'est bien. Ah oui, c'est non, bien. Mais c'est quelqu'un qui manque horriblement de goût. C'est dommage, je te jure, c'est dommage. Tu me déçois, mais bon. Mais tu vas pas laisser ça, tu vas faire quelque chose quand même, non? Oh là! C'est magnifique, cette danse, très mignon! Très mignon! Merci, Perry. On croirait qu'on lui a chié dessus, c'est terrible! Oh. Allez-y! Est-ce que vous aimez? Oui! Et toc! Oh, voilà. les faux culs! Bon, il est temps de passer à la photo du jour. Et c'est justement celle de Nicolas Sarkozy au Parc des Princes, samedi soir. Le ministre de l'Intérieur, grâce à qui, vous le savez, le match s'est bien passé, pour le Paris Saint-Germain en tout cas, puisque les Parisiens se sont qualifiés face aux Marseillais. Il faut quand même dire que des barres de fer, des manches de pioche, des armes, des couteaux ont été saisis avant le match dans des quarts de supporters de l'OM. À un moment, même Nicolas Sarkozy a failli aussi confisquer le ballon, mais on lui a dit que ça, c'était nécessaire pour le match. Et la surveillance était à ce point sévère qu'à l'entrée du stade, eh bien, même Thierry Roland n'a pas pu rentrer. La preuve, c'est pas lui qui commentait le match samedi soir. C'est vrai, hein? Résultat du match, les CRS ont gagné par 32 arrestations à 0. Vous avez suivi le match, Gérard? Non, pas du tout. Moi, j'ai regardé et quand Fernandez, maintenant, est content, il se déhanche, c'est terrible. Hein. C'est-à-dire? Bah, vous ne l'avez pas vu danser sur, montrez-nous comment il fait. Ah non, non, il faut être Fernandez, c'est pas, je ne peux pas vous le faire. Est-ce qu'on le voit sous la touche? Non, sur la touche. Ah, ah, sur la touche. Autre photo, celle de cette brochette d'anciens premiers ministres venus assister à l'inauguration de l'avenue Pierre Mendès France dans le 13e arrondissement de Paris. C'était, vu la photo, surtout l'inauguration de l'avenue Mendès France, mais aussi l'enterrement de Cresson, Mauroy, Rocard et Jospin réunis. Ah oui, Jospin a parlé quand même, hein. On nous le dit dans le journal 20 minutes. Je cite, c'est important, hein. Il a dit « Il fait beau, c'est agréable ». Ah non, on sent ça, c'est de la déclaration. On sent qu'il a des choses à dire. Ah non, on sent. Voilà. C'est très bien. Moi, je vais vous dire, si sa moindre petite phrase est reprise comme ça par la presse, à sa place, je ferai de la politique. Hein, Gérard? Mais... moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut lui foutre la paix. Il a demandé à être à l'écart de la vie politique. Pour l'instant, il s'y tient, tout en marquant ses préférences, évidemment, à gauche. Je trouve qu'il se conduit très bien pour l'instant. Enfin, mais il sort tout le temps comme ça. Vous voulez pas qu'il reste enfermé, simplement, pour qu'il soit puni au coin. Non, mais il finira peut-être le présentateur de la météo. Si ça continue. Un peu de politique encore avec l'omniprésence, vous l'avez certainement remarqué, de Marine Le Pen dans les médias, aux grandes dames de Bruno Gollnisch, qui se voyait déjà successeur de Jean-Marie Le Pen à la tête du parti. Marine Le Pen qui dit d'ailleurs vouloir faire un parti moins sectaire, plus ouvert. Mais quand on la voit, on se dit quand même, regardez que c'est bien la fille de son père, franchement. C'est vrai qu'elle est très médiatique, Marine Le Pen. Vous avez vu ce qu'elle veut faire, là? Elle veut supprimer la sécu pour les étrangers. Ah oui? Enfin, elle n'est pas encore au pouvoir.
Et vous, Isabelle, vous l'aimez ? Ben, je trouve que c'est un véritable atout pour le Front National, c'est une évidence. Elle communique bien, ce qu'elle dit, ça passe mieux quand c'est elle qui le dit que quand c'est son père, alors qu'elle dit les mêmes horreurs, mais ça passe beaucoup mieux. Oui, parce qu'elle est un peu plus jolie que ça, quand même. Cinéma, maintenant, avec la sortie cette semaine de Taxi 3, et une polémique à propos du contenu du film en pleine campagne en faveur de la sécurité routière et contre la vitesse au volant. On reproche au Taxi 3 d'aller trop vite. Alors oui, 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 je le dis aux journalistes, le taxi va trop vite. Et c'est pas bien. Ben oui, mais c'est du cinéma, voyez, hein? Spider-Man, il n'existe pas non plus. Et c'est pas parce qu'il y a eu Blanche-Neige que tout le monde a engagé des nains pour faire le ménage, voyez. Franchement. De toute façon, Luc Besson s'en fout. Le producteur du film, Luc Besson, s'en fout totalement, puisque d'après les photos parues ce matin dans Voici, on peut le dire, Luc Besson prépare, regardez, le gros bleu 3. C'est une photomontage ? Pardon ? C'est une photomontage ? Non, non, pas du tout. Il est vraiment comme ça. C'est son corps. Bah oui, il est empâté. Hein. Waouh ! Joli ! On termine par cette photo des ministres participant à la dictée de Pivot. Et regardez sur cette photo du JDD, on voit Madame Claudie Aigneret, ministre de la Recherche, prouver qu'elle était vraiment faite pour la recherche, puisqu'elle recherche la borne orthographe sur la copie du ministre de la Culture, Monsieur Ayagon. Alors, je vous le dis, Madame Aigneret, c'est pas beau de copier, Madame la Ministre. Surtout qu'elle, en tant que spationaute, quand elle savait pas, elle avait qu'à laisser un espace à la place. Franchement. Alors, évidemment... Non. Je vais vous tester. Ah, c'est une émission de test, on se doit de tester. Je suis sûr que vous n'avez pas regardé la dictée hier pour la plupart, alors je vais vous faire la dictée, on ramassera les copies et on aura le corrigé pendant l'émission. Allez, papier, stylo, allons-y, c'est parti. Stevie, j'espère que vous avez progressé par rapport à la dernière fois. Oui, bah j'ai fait 5 fautes. C'est pas de ma faute. Alors déjà, ça va être dur, le premier mot pour vous, mon cerveau. Mon cerveau. Virgule, m'interrogeais-je présentement? Mon cerveau m'interrogeait-je présentement? Commande-t-il mon humeur? Attends, tu peux répéter? Mon cerveau m'interrogeais-je présentement? Commande-t-il mon humeur? Ou bien, est-ce moi tout entier? Dès que j'ai stoppé... Ou bien, est-ce moi tout entier? Dès que j'ai stoppé la sonnerie du réveil matin, virgule, qui régit mon cerveau? La sonnerie. Il y a beaucoup trop de mots, là. Je répète cette première phrase. Attends, cerveau... deux secondes. Mon la cerveau... sonnerie... Mais si vous parlez tout le temps, vous pouvez mais pas... Mais oui, mais tu répètes pas, la sonnerie, quoi? Je fais que ça. Mon la cerveau, sonnerie... m'interrogeais-je présentement, commande-t-il mon humeur, ou bien est-ce moi tout entier, dès que j'ai stoppé la sonnerie du réveil matin, qui régit mon cerveau? Pourquoi, aujourd'hui, l'esprit léger... Ai-je envie de faribole? Il y a une virgule après, aujourd'hui. Pourquoi, oui. Aujourd'hui? Pourquoi aujourd'hui l'esprit léger? Il y a des virgules ou pas? Écoutez mon intonation. Ah ben non, mais on dit les virgules. Vous êtes bizarre. Pourquoi aujourd'hui l'esprit léger? Ai-je envie de faribole, de plaisanterie? Ai-je envie de faribole? Faribole, mais c'est quoi ce truc-là? De plaisanterie, c'est de blague, d'entourloupette. Bien sûr. Ah, oh, c'est cochon. D'entourloupette. Et surtout pas de préchi précha. Et d'entreloupette ? Non, non. Pourquoi aujourd'hui l'esprit léger ? Attends. Ai-je envie de faribole, de plaisanterie, mais c'est quoi, de blague, d'entourloupette ? Entourloupette, voilà. Et surtout pas de préchi précha. Méline, vous ramassez maintenant les copies. Attends, il me manque un morceau. Attends, regarde. Allez. Attends, j'ai pas fini, il manque quelque chose. Stevie, on ramasse les copies, Méline. Après présentement... Oh, j'ai fini. De toute façon... Monsieur fini, monsieur le professeur. C'est bien, mon petit Arnaud. C'est bien, mon petit Gérard. Faut pas avoir de cinéma, maintenant. Le 5 février, vous pourrez aller voir, 18 ans après,
après quoi? Après Trois hommes et un couffin de Colline Serrault, la suite du film Trois hommes et un couffin qui sort demain en DVD, et oui, parce qu'il n'était jamais sorti en DVD, enfin je parle du premier film, hein, évidemment, Trois hommes et un couffin, et qui avait quand même séduit 12 millions de spectateurs en salle à l'époque. À part quelques rides en plus, les papas n'ont pas changé. Vous retrouverez donc à l'écran Roland Giraud, André Dussolier et Michel Bougenat. En revanche, pour la petite Marie, ils ont été évidemment obligés de trouver une remplaçante, le bébé ne faisait plus l'affaire, c'est Madeleine Besson qui interprète le rôle de la jeune fille. Oui, ils auraient pu prendre le même bébé 18 ans plus tard, vous allez me dire. Effectivement. Bon, on va poser la question à celui qu'on va accueillir maintenant pour tester ensemble ce film. Signalons aussi qu'il est sur scène, toujours au théâtre, et qu'il vient de publier aussi, enfin de faire sortir son DVD d'Un père et père, son dernier succès de Ray Kounest, avec entre autres Stéphane Hillel et Elisa Servier. Voici Roland Giraud. Bonsoir Roland. Quelle actualité ? Mais le problème, c'est que vous avez absolument tout dit. Tout dit, oui. Donc je n'ai absolument plus rien à dire. Ah bah très bien. Sinon que j'ai beaucoup de plaisir à être avec vous. Que je regarde votre émission, vraiment. Vous êtes rock'n'roll, avec, Roland Giraud. Oui, c'est pour adoucir le personnage. On m'a souvent reproché d'être un petit peu pet sec. Ah oui. Raide, enfin, pas toujours comme je voudrais. Et donc, je suis obligé de m'adoucir un peu, de mettre des choses un peu comme ça, fantaisistes. Mais en réalité, je préfère le costume et la cravate. Ça vous va très bien. 18 ans après Trois hommes et un couffin, Isabelle Alonso a raison. Pourquoi ne pas avoir pris le bébé qui aurait grandi 18 ans plus tard ? La triste réalité, c'est qu'elle était folle de rage, évidemment, et qu'elle aurait voulu le faire, mais qu'elle n'a pas été prise aux auditions. Aïe. Ah, vous l'avez quand même testé. C'est dommage, j'en aurais bien aimé. Et elle est très mignonne, elle est très jolie, mais... On peut peut-être donner son nom quand même, non ? Vous connaissez son nom ? Gwendoline, mais je ne sais plus après. Gwendoline, c'est con pour elle quand même, hein ? Oui, mais c'est surtout pour moi, parce que c'est la mémoire. Donc c'est Madeleine Besson qui a été engagée. Je ne sais plus la période de l'année. Bande annonce de 18 ans après, Trois hommes et un couffin. Ah oui ? Je suis en retard. Oui, mais enfin, c'est toi le père. Comment ça, c'est lui le père ? C'est ça, pour les emmerdements, c'est moi le père, mais pour les anniversaires, c'est vous. Papa ? Oui ? Purée, je ne le crois pas. Enfin, dites-le ce qui se passe, ça suffit maintenant. Ça fait deux mois que tu fais la gueule, ça va je à quoi? Tu fais pas la gueule? Tu fais pas la gueule, tu fais porte de prison. On est au point où on se dit qu'il vaudrait mieux que tu quittes la maison, parce que là... Bonjour Jacques, je suis en retard. Non, non, pas du tout, pas du tout. Mais les mecs, ils sont tous tellement nuls de nos jours. Non, ils sont pas tous nuls quand même. Tu me pompes l'air, j'en ai plein d'autres ta tête de courge. Ça chauffe. Avant, ils étaient machos, mais maintenant, ils sont paumés, je sais pas ce qu'est le pire. Ce qui peut m'énerver, ce Jack, il colle à Marie, c'est pas croyable. De toute façon, c'est pas en roulant à côté de lui en vélo qu'elle va tomber enceinte. Tu crois ? Attendez, je ne suis pas très bien. Vous viviez avec sa mère ? Non, avec le père. D'ailleurs, je vis toujours. Enfin non, je ne vis pas avec le père. Michel ? C'est toi le con qui a passé une commande de Viagra pour moi chez la pharmacienne ? Moi ? Pour le Viagra, toi ? 18 ans après ! Dussolier, Giraud, Bougenat, les trois papas. Et c'est drôle parce que je me disais, en regardant la bande-annonce du nouveau film, de la suite, 18 ans plus tard, tiens, ils n'ont pas vieilli. Et je regardais, ah bah oui, finalement oui, ils ont vieilli. Mais vous, vous êtes celui des trois qui avait le moins vieilli. Faut pas dire ça. Ah si. Ah non, c'est impressionnant. Prenez vos responsabilités. Ah non, regardez-les à l'époque. Et je vous affirme, je vous jure... Ça veut dire qu'il était déjà vu à l'époque. Que la science n'est pas attendue. J'ai pas entendu, pardon. Ça veut dire qu'il était déjà vieux à l'époque, oui. Peut-être. Mais il y a des gens comme ça. Non, mais vous entretenez vachement votre forme. Je crois que vous faites 40 pompes par jour, oui, vous déplacez à vélo. Je fais tout ce qui fait qu'on ne change pas physiquement trop vite parce qu'après on est inemployable. Mais j'ai du mal. C'est très physique, je crois. C'est deux heures. J'ai perdu 14 kilos en deux mois. Ah, oui, voilà. Et maintenant j'ai repris un petit peu, mais c'est un exercice physique. Ça correspond à 1500 mètres, oui. Et comme je suis à peu près le seul de mon âge à pouvoir faire ça, évidemment j'ai de moins en moins de concurrents. Un père et père, c'est la pièce. Évidemment, vous jouez avec Stéphane Hillel, mise en scène par Jean-Luc Moreau. C'est étonnant ce métier parce que oui. Il m'arrive des fois de rester trois mois sans rien faire. Et en ce moment, il y a, c'est vrai, il y a un film de télé, il y a voilà. Mais il faut rester simple, parce que, comme disait mon professeur disait que les mêmes qu'on rencontre en montant sont ceux qu'on rencontre en descendant. J'adore cette phrase. Péri Cochin. Non, je voulais simplement relever que dans les extraits qu'on a vus à l'instant, il y a des scènes qu'on a l'impression d'avoir vues dans le premier. Et qu'on est bien tous nos personnages. C'est-à-dire, moi, je suis le fonceur qui gaffe.
Globalement, André, c'est celui qui hésite tout le temps, et Michel, celui qui dit « et moi, n'oubliez pas ». On a l'impression que vous n'avez pas beaucoup évolué. Décor. Non, ils ont un peu les mêmes costumes, on a le même décor, et nos problèmes sont toujours les mêmes. On a des problèmes avec la petite par rapport à nos petites amies à nous. Il y a des scènes assez rigolotes avec nos petites amies qui ont des problèmes avec Marie, qui a 18 ans. Tout. Donc les situations sont souvent un peu semblables. Gérard Miller, est-ce que c'est quand même pas un grand risque que vous avez pris tous les trois en signant dès à présent le troisième en 2023, 36 ans après? Est-ce que c'est pas... Si, alors ça, c'est si. Parce que moi j'ai pensé qu'on pourrait peut-être faire deux hommes et un coffin en anglais. Parce qu'il y en aura un des trois qui va mourir. Ça serait très beau d'ailleurs qu'un de nous trois meurt. C'est vrai. Il y aura un téléfilm mi-février, ce sera sur France 3, oui. Un téléfilm réalisé par Philippe de Broca, oui. Avec Delphine Riche, entre autres. Oui, ça s'appelle « Il n'y aura pas école demain », oui. Bon, c'est vrai qu'on va vous voir beaucoup, donc. Je suis pas fait exprès. Et à mon avis, vous savez, les programmations sont curieuses quand même. Ils auraient dû le sortir en 6 mois. Curieusement, ça sort très peu de temps. Vous savez qu'ici, dans cette émission, Roland Giraud, on aime tester nos invités. Ah. On aime faire chanter ceux qui ne savent pas chanter. Ah oui. Mais vous, il se trouve que vous savez chanter. Oh non. Ah, si. Regardez, Toréador, Carmen. Ah la vache, oui. Mais oui, mais c'est pour un ténor. Vous pouvez bien nous faire un ténor pour ce soir. Tenez, voici votre Carmen, Isabelle. Faites-nous Carmen, Isabelle. Je n'ai pas la tonalité, mais elle peut... Ah, formidable, j'ai une Carmen formidable, mais... Il était fait l'œil de velours. Si, oui. Bon, mais il n'y a pas de musique? Non. Ah, c'est a cappella. C'est a cappella. A cappella est ici, en et ici même, en même temps, c'est une chanson. Je ne sais pas. Toréador en garde, toréador, toréador. Et songe bien, oui, songe en combattant, qu'un œil noir te regarde, et que l'amour t'attend. Toréador, l'amour t'attend. Et non, toréador. C'est pas mal! Non, franchement! Merci. Qu'est-ce que réussi? Un père et père, le DVD vient de sortir, il est toujours en tournée, Roland Giraud, dans cette pièce mise en scène par Jean-Luc Moreau avec Stéphane Hillel. Trois Césars, dont celui du meilleur film pour Trois hommes et un couffin, c'était il y a 18 ans. Le DVD vient seulement de sortir et puis surtout à l'affiche à partir de mercredi, la suite 18 ans après. Les mêmes comédiens, plus Madeleine Besson qui joue la jeune fille de 18 ans qu'on a vue naître il y a 18 ans, mais qui n'était pas elle. Voilà, j'ai bien résumé l'affaire. C'est parfait. Merci Roland Giraud. C'est pas pourquoi je suis. Hier, sur France 3, en direct de la Cité des sciences et de l'industrie de la Villette, à Paris, a eu lieu la 17e finale des Décodeurs. Et c'est bien évidemment l'incontournable Bernard Pivot, accompagné de Florence Klein, qui a énoncé la fameuse dictée aux 176 candidats présents, dont les plus jeunes avaient à peine 12 ans. Quelques personnalités se sont elles aussi prêtées au jeu. Jean-Jacques Ayagon, le ministre de la Culture, Jacques Attali, Xavier Darcos, ministre de l'Enseignement, Claudie Agnoret ou même François Morel, le comédien. Dan Bolander était présent lui aussi pour se faire mettre les points sur les i. Il a testé pour nous vendre des corrigés de la dictée de Pivot. Regardez cette caméra cachée par Thierry Andréau, sans faute. Bonjour, ici Dan Bolander, j'ai testé vendre les corrigés de la dictée de Bernard Pivot. Tenez, ce sont les... Discrètement, ce sont les corrigés. Hein. Sans déconner. Ouais, ouais. Oh, ouais. Je l'ai piqué à Pivot. Hein. Donc avec ça, bon, vous allez faire zéro faute, hein. D'accord? Ah, mais c'est bien, hein. D'accord, tenez, alors c'est 100 euros. Hein. Bah, j'ai pas de monnaie tout de suite, là. Ah, vous imaginez, avec ça, vous ferez zéro faute, ouais, et vous serez considéré bien comme le meilleur. Bah oui, mais j'ai pas de monnaie. 100 euros, les résultats de... D'abord, on dit 100 euros. 100 euros. Ah, bah, excusez-moi, oui, je suis nul en orthographe. Ce sont les corrigés. Oui. Je les vends discrètement, parce que j'ai réussi à les avoir. Mais c'est combien? Je le vends 100 euros. Oh, c'est trop cher. Non, mais 50 alors, 50 euros 50. D'accord, 50 euros. Ouais, d'accord. Ok, alors voilà, c'est dans l'enveloppe. Ok. D'accord. Discret, discret. Mais non, je dois pas regarder. Mais non. Mais non. Je l'ai corrigé de la dictée de Pivot. Je le vends pas cher, je le vends 100 euros. C'est combien la vous l'avez payé, vous? La dictée de l'année dernière, peut-être? Non, je l'ai pas payé, je l'ai piqué à Pivot juste avant. C'est très immoral, votre truc. Non, mais bon. Et vous l'avez déjà trouvé des clients qui vous l'ont acheté? Trois, oui. C'est voilà, bien. Là, vous allez vous contenter de ça. Ah bon? Parce que je me suis dit que vous seriez d'accord pour pas vraiment. Vous imaginez, vous allez faire zéro faute grâce à ça, puisque le texte, vous voyez, ce sont les corrigés. Ah oui, mais non, le plaisir de faire des fautes, vous ne pouvez pas savoir, c'est merveilleux. Quand j'essaye d'être le meilleur, j'essaye de l'être pour moi-même aussi. En tant que présentant de télévision, si vous avez
les résultats vous font zéro faute. Mais pour vous, c'est bien. C'est, ça serait égoïste, ça. Non, mais voilà, c'est pour ça, moi, c'est pour vous. Oui, oui, mais je sais bien, je sais bien. Je vous donne le corrigé. D'accord. Tenez, cadeau. C'est pour vous, papa. Cadeau. Il faut essayer de corriger, ça. Bonjour, monsieur le ministre. Discrètement, ce sont les corrigés. Les corrigés de la dictée de Pivot. Ah non, je ne veux pas tricher, je ne prends pas de corrigé. Ça reste entre nous et je le vends 100 euros. Non, je ne prends pas de corrigé, moi j'essaie d'être honnête. Bonjour, bienvenue pour cette 17e finale des Dicodores. Excusez-moi, je suis désolé, mais pardon de vous apostropher, mais nous sommes obligés d'annuler la cérémonie des Dicodores parce qu'il y a un crétin qui, à l'entrée, a vendu les corrigés de la dictée. Oui. Donc on est obligé d'annuler parce que certains l'ont dans la salle. Je ne citerai pas de nom. Demande à tous ceux qui ont triché de quitter la salle et on va être obligé d'annuler la dictée et d'en reprendre une autre. Je suis désolé. Hein. Ouais. Non, je suis désolé, mais on arrête. Donc vous pouvez rentrer chez vous, messieurs, dames. Écoutez, mon vieux, non. Dan de Landor, perturbateur de la dictée de Pivot. On va accueillir tout de suite deux rois de la dictée. D'abord le champion du monde d'orthographe et la présidente de l'association des fêlés de l'orthographe. C'est son association. Évidemment, eux aussi avaient participé il y a quelques années dans d'autres catégories à la fameuse dictée de Pivot. Ça s'appelait à l'époque les championnats d'orthographe. Voici Bruno de Vaël et Solène Le Duf. Bienvenue. Vous êtes Solène Le Duf, présidente de l'association Les Fêlés de l'orthographe. Vous aviez gagné les Dicodores en 93 dans la catégorie junior. Effectivement. Voilà, vous aviez 17 ans à l'époque. Oui. Et puis vous avez fait quand même finaliste au championnat du monde à New York. Vous aviez terminé quatrième. En revanche, à côté de vous, Bruno Deval, lui, il a terminé premier. Oui, je voulais simplement dire que Dan Bolander ferait bien de se méfier parce que je crains qu'un jour ou l'autre, il ne revienne avec une dent sur pivot. Ah, très joli. Bon, vous voulez bien m'aider à rendre les copies, monsieur le professeur, mademoiselle. Je laisse. Non, restez, regardez. Alors, Isabelle Alonso, une demi-faute. C'est bien. C'est pas mal. Bravo. Elle a oublié, Isabelle, le trait d'union à réveil masqué. S, il y a un trait d'union entre EST et CE. Gérard Miller. Oh, j'ai honte, mon petit Gérard. Vous ne progressez pas, Gérard Miller. Combien j'ai fait ? Trois fautes. Ah, ouais. Mon cerveau m'interrogeait. Oui, c'est grave. Il avait écrit ça, G-E-A-I. C'est absolument grave. Je trouve que c'est la plus grave des fautes que j'ai faites. Alors que là, vraiment, c'est terrible. Hein, parce c'est grave. Moi, j'ai copié sur toi cette faute-là. Je dois l'avoir aussi. Moi aussi, j'ai. Oui, je vous confirme. Non, c'est terrible. Réveil matin, Gérard. Eh ben. Ah ben, c'est pas comme ça. Réveil deux matin. Deux L-E ou pas ? Deux L-E. Quoi ? Ah oui. Un réveil matin, c'est bien ça, hein? Voilà, c'est deux c'est le verbe. C'est complètement illogique parce qu'un réveil, c'est un seul L. J'ai stoppé la sonnerie du réveil matin qui régit mon cerveau. Vous avez écrit régit, R-E-G-I-T. Et il fallait écrire R-E-G-I-S. S. Oh là là, moi aussi, dis donc. Cinq fautes pour Arnaud Gidouin. C'est impossible. Je demande à. Il y avait un interrogège, à réveil matin, à régie. Bon, celui-là, on les a déjà vus. Ça veut savoir combien de fautes. Oh, mais Préchi-Précha. C'est une petite faute, ça. Vous avez oublié? On les sait accents. Pas quoi, d'ailleurs, on n'arrive pas à lire. Les petits accents. Annie Lemoine, cinq fautes aussi, Annie Lemoine. Ouais. M'interrogeais-je, réveil matin, régie, préchi, prêcha. On retrouve les mêmes fautes. Ouais, les mêmes fautes. Péricochin. Oh, Péricochin. Quoi, j'ai déconné ? Cinq fautes et demie. Ah bon ? M'interrogeais-je. Pareil. Réveil matin, régie, préchi, prêcha. Et surtout, vous avez mis un trait d'union à S-moi. Ah bah oui, mais j'en ai mis un de trop, pardon. Stevie Boulet. 20 fautes, je mention sais, spéciale, aucune faute, Stevie. Wow. C'est vrai. Allez, là, je sais pas quoi. Là, mais là, vous avez bien fait de m'interrompre plusieurs fois. C'est voir cette fesse, bien ma copie. Vraiment. J'aime bien, il se pose la question de savoir si c'est ma copie. Si c'est ma copie. Putain. Eh ben, toc, ça prendra tous les gens qui me prennent plusieurs pour des cons. Ah, voilà la vraie. Quel comédien, hein. 6 fautes, mais il manque 5 mots. Oh. Mais oui, je t'ai dit de répéter, t'as pas répété. Oh, j'ai fait que ça. Bah, bon, attends, entre 5 fautes. Il n'y a pas d'autre. M'interrogeais-je, c'est comme tout le monde. Réveil matin, c'est comme tout le monde. Régie, c'est comme tout le monde. C'est les mêmes fautes que tout le monde, sauf qu'il manque tous les autres mots. Bon, bah, je suis pas plus nul que les autres, alors. Stevie, je vais vous offrir la
collection Magico d'or chez Albin Michel. Bernard Pivot propose toute une série de petits bouquins qui vous feront peut-être progresser tout en vous amusant. Hein? Bah attends, j'ai fait 5-6 fautes, les autres en ont fait 5. Donc à. Oui, mais t'avais dit tout ce qui t'avais, pif, t'avais hein. 40 mots en moins. Bruno Devel, vous avez écrit et publié à la fortune du mot, car vous êtes journaliste à la Voix du Nord aussi. Chroniqueur, chroniqueur. Comme vous, vous avez d'ailleurs couvert les 10 codeurs ce week-end pour votre quotidien régional. Exactement. Et vous, mademoiselle, vous fêlez, vous réunissez où, à Paris, dans toute la France? Non, c'est pas à Paris, non, non. On se réunit une petite commune du Finistère, une fois par mois pour faire des dictées et pour réviser un petit peu la grammaire, justement, pour apprendre et pour. Parce qu'il y a aussi des gens dans le club qui ne sont pas des champions, forcément, et qui veulent apprendre. Donc bon. Leur but, c'est de progresser. Donc tout le monde, à tout niveau et... Non, moi, je suis, mais alors, absolument malheureux d'avoir fait une faute à m'interroger. Je ne m'en suis pas remis. C'est vrai? Ah ouais. Vous en êtes pas remise. Merci à tous les deux. Merci à vous. Au revoir. C'est bien faire, ça. Hein? Est-ce qu'il vient entre les sujets, entre les invités, qui me fait des grimaces, des mimiques? Qu'est-ce que vous m'avez fait, là? C'est fait rrrr. C'était mieux tout à l'heure. Non, t'avais l'air tendu, j'ai voulu te décontracter. Et ça a marché? Oui. Hein? Non, je suis beaucoup plus tendu. C'est Marie. Et tant mieux. Aujourd'hui se termine le festival de la bande dessinée d'Angoulême, c'est le 30e. Et comme chaque année, c'est Michel-Édouard Leclerc qui en est le sponsor. Et oui, il n'est pas seulement spécialiste des supermarchés, c'est aussi un grand fan de bande dessinée. Le 17 janvier, il a sorti avec Chantal Marie Wall, j'espère que je prononce bien son nom, Itinéraire dans l'univers de la BD chez Flammarion. Ça paraît étonnant, c'est un ouvrage en tout cas qui contient 52 portraits des grands auteurs et illustrateurs du monde de la bande dessinée. Pour tester ensemble Itinéraire dans l'univers de la BD, accueillons donc, ça peut paraître surprenant, Michel-Édouard Leclerc. Bonsoir. Moi j'ignorais. J'ignorais que vous étiez passionné de bande dessinée. J'aime ça, depuis tout petit. Depuis tout petit. Je suis tombé dedans. Je suis un piètre dessinateur. Je suis un piètre scribouilleur. Mais j'aime la bande dessinée, j'aime lire et puis j'aime faire connaître. Et c'est une des raisons pour lesquelles vous avez sponsorisé depuis pas le début, mais en tout cas depuis pas mal d'années maintenant, le festival de BD d'Angoulême. Ouais, au comptable et au fisc, on dit d'abord qu'il y a un intérêt commercial à sponsoriser. Évidemment. Parce que la BD, c'est pas une maîtresse. Il faut... D'abord, ce serait une maîtresse qui coûtait très cher. Les festivals sont onéreux à construire. Mais c'est vrai que quand on peut allier les deux, la vie professionnelle, le plaisir, ben, c'est encore mieux. Vous étiez à Angoulême alors ces jours-ci? Oui, j'en viens là. Il y avait une bonne ambiance? Ça dure beaucoup la nuit aussi. Ah c'est ça. Non, c'est tout un climat. C'est un univers où les gens sont climat. Extrêmement... Oui. Pas que ça, non. Il n'y a pas que dans les bandes dessinées qu'il y a des bulles, hein. Je suis un grand amateur et depuis toujours de bandes dessinées. Je répète toujours aux parents de ne jamais interdire les bandes dessinées à la maison. C'est indispensable d'en lire. Alors, Michel-Édouard Leclerc, je dois dire que c'est un des rares patrons que j'aime bien. Et ça ne m'a pas du tout surpris que vous soyez aussi intelligent dans ce que vous avez fait. Parce que là, c'est clair que c'est vous qui l'avez écrit. Très souvent, quand les patrons font un bouquin, c'est clair qu'il y a un nègre derrière ou plusieurs. Là, c'est manifestement vous qui l'avez écrit. Vous donnez les dates des rendez-vous avec les auteurs. On voit que c'est votre style, on voit que c'est votre façon de faire. Donc, je trouve ce livre tout à fait étonnant. Non seulement par l'iconographie, mais aussi par votre implication personnelle. Quand vous n'en voulez plus, j'ai un job pour lui. Hein. Ah oui. En rayon, en tête de gondole. Est-ce que vous savez ce qui est le véritable plaisir pour un amateur de BD comme moi? On va faire une minute Narcisse, c'est pas la seule que je fais dans cette émission d'ailleurs. C'est que j'ai découvert que j'étais devenu un personnage de bande dessinée, Laurent. Ah bon? Dans une bande dessinée qui s'appelle Space Mounties, qui est une série dessinée par Guilhem et Weiss. Le dessinateur, Guilhem, m'a écrit en me disant, ben voilà, on cherchait à un moment donné un docteur, un médecin, un professeur un peu fou, faut bien dire. Pas un méchant, hein, pas comme Ulrich ou ailleurs, et on a... J'ai pensé à vous prendre comme auteur de BD et il m'a envoyé sa BD. Je ne sais pas si on peut voir le personnage que je suis devenu. Je suis devenu ce professeur-là et je dois dire que c'est un véritable plaisir que tout d'un coup... C'est vous, c'est vraiment... Ah, oui. Et c'est moins bruyant. Ouais. Mais ils t'ont demandé l'autorisation. Michel-Édouard Mammouth.
Je suis obligé de changer son nom parce que ça fait trop de pub autrement. Donc Michel-Édouard Carrefour, Isabelle Alonso. Isabelle Alonso a quelque chose à vous dire. Moi, j'ai une maison de campagne et pas très loin, il y a un supermarché dont vous êtes, je crois, le propriétaire, puisque... Dont on ne dira pas le nom. Toutes les caissières sont assises dans le même sens et au bout de leur champ visuel, il y a une photo qui doit faire 4 mètres sur 5 au moins et il y a vous. Ouais. On arrive, on sait, moi, je leur dis toujours aux caissières, vous en avez de la chance. Ça pourrait être Brad Pitt et non, c'est Michel-Édouard. Michel-Édouard champion. Maintenant, Arnaud Judoin. Non, mais c'est... C'est vraiment un bouquin, on sent que c'est vraiment écrit par un passionné, c'est très intelligent, les interviews, on le disait, sont rondement menées. Moi, je sais que je suis fan, en plus, de Van Damme, de Arleston, Tarquin, etc., pour l'Enfance de Troy, etc. C'est et pas là, Van Damme, hein, c'est Van Ham. Parce que Van Damme, c'est le... Oui, Van Damme, c'est celui qui a... Il est bien aussi. Mais... C'est un personnage de BD à lui tout seul. Il dessine moins bien, je crois. Non, non, c'est vraiment hyper, Damme, hyper c'est génial. C'est un cadeau, c'est un cadeau super chez pour vous, les... Papy Brossard. C'est vraiment... Non, c'est un cadeau super pour les passionnés de BD, quoi. Bravo, bravo, bravo. Mais bravo. Même pas, mais même pour ceux qui j'adore le ça, pas. Le truc de chez Papy Brossard. C'est très bon. C'est très bon. Moi, mon humble avis, ce livre, ça va devenir une Bible. Moi, j'ai vraiment mais adoré. Déjà, et j'ai... qui se prend pour Jésus-Christ, lui dites pas non, ça. Non, mais... Pensez bien qu'on va pas vous laisser partir comme ça, Michel-Édouard Leclerc, parce que vous êtes aussi le représentant de ces supermarchés qu'on connaît. Et il se trouve que... Il va me faire chanter. Il y a en Hollande un concept qui s'appelle le dating market. Je sais pas si vous connaissez ça. Non. Alors... C'est un principe tout bête, c'est un artiste qui s'appelle Otto Berchem qui a décidé d'aider les célibataires à rencontrer l'âme sœur dans les rayons des supermarchés. Et donc, à l'entrée du supermarché, en fonction que vous êtes un célibataire... Vous voulez dire ou que vous allez me transformer en macro ? Pas du tout, c'est un peu ça. Regardez l'affiche, un homme, ça se trouve au supermarché. C'est-à-dire qu'en fait, si vous avez un panier avec une petite fleur, alors ça veut dire... Je vous rassure, les femmes aussi, ça se trouve. Hein. C'est... Oui, bien sûr. Il y en a même plus, à mon avis. Oui, à mon avis, plus, oui. Mais en fait, si vous avez une petite fleur sur le panier, ça veut dire je suis libre. Je trouve ça génial. Moi, je trouve ça absolument génial. Ça a donné une idée à Dan Bolander qui s'est fait mettre la main au panier. Il a testé pour nous trouver son conjoint au supermarché. Regardez cette caméra cachée par Julien Héron. Bonjour, ici Dan Bolander. J'ai testé rencontrer mon conjoint au supermarché. C'est rose. Moi, j'ai le caddie chou. Oui. Et vous avez le caddie rose. Et alors ? Eh ben, c'est pour les rencontres. Quelles rencontres ? Je fais pas de rencontres. Ah ben si, parce que vous avez pris le caddie du marché dating. Quand en fait un monsieur prend un caddie chou, oui. et une dame prend un caddie rose. Rose, c'est pour se rencontrer. Moi, c'est Jean-Paul, et vous ? C'est Manuela. Vous me plaisez ? Oui, ben, désolée. Oui. J'étais pas du tout au courant de cette histoire. Je vous ai acheté des fleurs. Non, merci. Mais on pourrait dîner ensemble. Non, merci, non. Si je vous plais pas, faut le dire. Non, je savais pas que c'était un caddie de rencontre. Mais si, c'est marqué là. Oui, mais je le savais pas. Qu'est-ce qui se passe, madame ? Il y a une histoire de rencontre avec les caddies. Les roses ont rencontré les choux, je sais pas quoi. Ah, d'accord, on vous a pas expliqué à l'entrée. Non, je savais pas, moi. Mais moi, je viens toujours faire mes courses. Mais moi, je suis amoureux maintenant. Bonjour, moi, c'est Jean-Paul. Oui. À l'avant du caddie, vous avez pris le, oui. Là, le rose. Oui, et alors ? Eh bien, c'est pour les rencontres. Moi, j'ai chou. Vous êtes libre, alors ? Je ne suis pas intéressée. Ben, parce que si vous êtes libre, moi aussi, on pourrait peut-être boire un verre après. Je vais aller me plaindre à la direction. En fait, c'est un nouveau système de rencontre. Écoutez, vous rendez compte de ce que vous faites dans votre magasin ? Je trouve vraiment ça déplacé. C'est le dragueur des supermarchés, celui qui porte les paniers. Et qui s'occupe de vos bébés. Bah, c'est le marché ce nouveau dating. Système de rencontre vous permet de trouver l'âme sœur en faisant vos courses. Bah voilà. Donc je viens de trouver l'âme sœur. Et vous faites ça souvent alors ? C'est la première fois. Vous voulez prendre un verre après ? D'accord. Et votre petit nom, c'est quoi ? Morissette. Je donne ma carte de visite discrètement. D'accord. Vous m'appelez. Écoutez, oui. À tout à l'heure. Oui. Et qui voulez-vous que je rencontre ? Ben moi. Ah ben dis donc, je ne dois pas être fauché si je vous regarde bien. Hein. À mon âge, si je veux un bonhomme et que je le paye, je veux que ce soit un mec, pas une lamette. Il y a méprise, hein. Je suis pas un gigolo. Moi, je suis là pour faire des rencontres, regardez. C'est le marché dating. Vous me foutez la paix, je viens faire des courses, je peux pas les faire tranquille, oui ? Ben vous venez faire des rencontres aussi, non ? Non, je viens pas faire de rencontres. Excusez-moi, qu'est-ce qui se passe, madame ? C'est le marché. Il paraît que je dois faire des rencontres avec les caddies, etc. Ce mec-là m'emmerde depuis un moment. Ça va comme ça, hein ? Vous êtes un bordel ici ou un magasin ? Pourquoi vous avez pris un caddie rose ? Vous vous barrez ou je vous tape dessus ? Ah ben,
notre rencontre commence. Ça suffit. Parce que moi, je vous aime déjà. De Dieu, écoutez, je vous jure que je tombe dessus et vous vous parlez, oui. Ah, c'est risqué, hein, le dating market. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, bonjour les emmerdes quand même. Hein. Il y a une dame, elle dit, c'est un supermarché ou un bordel? Oui, moi je me souviens, un jour, Gérard Miller avait écrit un grand papier dans Libération, c'était quand on était tout jeune, et on était juste, on sortait de l'adolescent, et il avait dit, il faudrait quand même pas que les supermarchés deviennent les seuls lieux de vie. Et je crois quand même que... Faut savoir mettre à l'aise les gens, mais de là pousser à des rencontres artificielles. En plus, j'imagine assez bien. Oui, mais c'est vrai qu'on drague au supermarché. Pardon. Franchement, vous avez besoin d'une fleur sur les fesses, vous? Mais non, mais c'est pas ça. On ne demande pas de mettre ça partout, mais vous mettez ça à l'entrée de la caisse. Stevie, c'est comme une sorte de jeu. Vous c'est mettez une demande personnelle, Stevie? Mais oui, en plus, c'est sûr que Perry et moi, on se fait sponsor. Ah, vous n'y croyez pas, alors? Ah non, pas du tout. Pourtant, ils font même les sacs, regardez, il n'y a pas que le. Ah ouais, mais attends, est-ce que c'est recyclé, ça? Attends, c'est vachement important de ne pas encore balancer des sacs qui vont aller dans la nature. Non, non, il faut. Ah, bien, moi, je suis pas pour. Franchement, je m'en fous de savoir si c'est pour recycler, si c'est pour mieux sauter. Ben non, les petits doigts. Il y a un moment, faut choisir. Hein. Moi, j'ai trouvé un truc beaucoup moins Dites-moi. Voyant que l'autre. Ouais. C'est un petit sac du marché. Alors, vous mettez vos petites courses, tout est inscrit à l'extérieur. Vous, ouais. Par exemple, là, moi, j'ai besoin d'acheter des amandes, des fraises, des mangues, des pois gourmands, etc. Et tu vas mettre tout ça dans ce petit sac-là. Et ben, j'ai mon On voit qu'elle fait ses courses tous les jours, là. Hein, c'est mais non, tu mets pas les courses dedans, ça, c'est ton sac à main. Et là, vous écrivez. Et là, comme ça, hop, j'enroule les mots qui m'intéressent. Annette, par exemple. J'enroule. J'entoure. Les mots qui m'intéressent, et quand je les ai mis dans le caddie... J'enroule, c'est quand elle dit ça à son chauffeur. J'enroule. Eh bien, une fois que j'ai trouvé, par exemple, l'amande, eh ben, je coche amande, c'est fait, et hop... Est-ce que, sérieusement, Péricoche, oui. J'ai une petite question comme ça. Allez, vous êtes vas-y. Déjà allé dans les supermarchés de monsieur? Évidemment. C'est vrai? Oui, celui de Levallois. Et c'est marqué célibataire dessus? Vous avez un ticket avec Michel-Édouard Leclerc. C'est vrai? Vous savez qu'avec les tickets Leclerc, on a le droit à quoi déjà? Allez, le supermarché de la bande dessinée, c'est comme ça qu'on aurait pu sous-titrer ce bouquin, Itinéraire dans l'univers de la BD. Si j'ai pu vous faire aimer un peu plus la bande dessinée, je serais surtout content de ça. Michel-Édouard Leclerc est venu nous voir, c'est paru chez Flammarion. Merci. Merci. Dernier invité de l'émission, le divorce de Patrick. C'est pas Patrick qu'on reçoit, non. Le divorce de Patrick, c'est le nom du nouveau spectacle de Dieudonné que vous pourrez voir les 12 et 13 février dans son théâtre à la Main d'Or à Paris et le 17 février à l'Olympia. Une tournée aura également lieu dans toute la France à partir du 11 mars et cette tournée commencera par Mulhouse. Pour écrire son one-man show, Dieudonné s'est inspiré du divorce de son copain Patrick et de toutes les situations parfois comiques qu'une séparation peut impliquer. On ne sait pas si ce Patrick est resté l'ami de Dieudonné. Ce qui est certain en tout cas, c'est qu'Alain Delon n'ira pas voir le nouveau spectacle de Dieudonné. Pour tester ensemble Patrick et son divorce, voici Dieudonné. Bonjour, bonjour. Salut. Laurent, je m'assois là. Je vous en prie, cher Dieudo. Encore un nouveau spectacle, je vais dire. Oui, oui, c'est un copain, effectivement, qui divorçait cet été. Et puis il m'a choisi, il voulait que je sois son confident. Alors j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai réussi à le faire marrer. Et puis je me suis dit, il faut que je porte. On va regarder un extrait du divorce de Patrick et on en parle après. Regardez. Ça, c'est moderne. Ça, c'est dans le bon. Ça, c'est jeune, ça. Ah, il y a le petit bonnet de bain qui va avec. À moi, Broadway! Et tu fais quoi autrement dans la vie? Par déjeuner avec moi, bien sûr. Des études? Ah, d'accord. Complètement, ouais. Un, deux, généalogie. Ah, d'accord. 6 ans et 3 gosses plus tard. Non, si tu veux la mettre aux majorettes, cette gosse, hein, qu'elle aille se faire violer dans les caves à 13 ans, hein, par je ne sais qui. Mais vas-y, puisque c'est ça que tu veux pour ta gosse! Ça va, oh, ça va! Eh, c'est un personnage, oh, dis donc! C'est tout autre chose, hein?
Le divorce de Patrick, ça vous intéresse, Gérard Millet ? Ce que je trouve extraordinaire avec Dieudonné, c'est qu'il faut vraiment qu'il ait un talent incroyable pour être toujours aussi populaire et donner autant envie d'être vu avec toutes les conneries qu'il a pu dire et faire. Ça, je trouve ça, non, mais je le dis sérieusement. Annie Lemoine. Moi, je vous aime beaucoup, je vous trouve grinçant et drôle. Mais je suis larguée. Sur le plan politique, je suis complètement larguée. Est-ce que donc, je peux vous éclairer ? Oui, mais que ce soit rapide ici. Non, mais c'est vrai, parce que, bon, anti-Front National, vous êtes présenté contre Marie-France Tirebois, à Dreux, etc. Vous avez lancé les Utopistes. Un mouvement qui est drôle, mais pas sérieux. Mais qu'est-ce que la barbe maintenant, quoi ? Vous êtes contre les intégristes islamistes, c'est quoi ? Éclaircissez-moi, je comprends plus rien. Attendez, j'ai un message pour Dieudo. Tu vas encore dire des conneries si tu réponds là-dessus ? Non, mais tu peux répondre. Non, moi je vais jouer un personnage de Judas, donc c'est pour ça que je me laisse pousser la barbe. Ah non, c'est pour ça. Oui, c'est juste pour ça. Bon, je dis pas que, en plus, la provocation ne me dérange pas non plus, mais. C'est vrai. Je me disais qu'il y avait un peu de ça quand même. Ouais. Mais non, là je. Non, il faut lui rendre hommage sur un point. Dans le précédent spectacle, qui était notamment consacré à la religion, je n'ai jamais entendu sur scène des propos aussi drôles, d'une part, c'est quand même majeur, et aussi durs sur la religion, y compris la religion de l'islam, sur laquelle en général on n'ose pas trop dire de choses parce que c'est plus facile de se moquer des cathos que de se moquer effectivement de ceux qui croient en Allah. Donc on peut lui faire le crédit quand même qu'il a un certain courage, un certain humour, et ça n'empêche pas effectivement qu'il dise des conneries, je pense que tu conviendras toi-même. Isabelle Alonso. Je crois que vous êtes un esprit libre, il y en a peu. Je crois que vous êtes quelqu'un qui dit des choses, vous dites ce que vous pensez. Et si on écoute vraiment ce que vous dites, on s'aperçoit qu'il n'y a pas, je ne suis pas d'accord, ce n'est pas des conneries du tout. Et voilà, et je suis super fan de vous. Vous êtes toujours en empathie avec les gens que vous attaquez. Il faut appeler une connerie. Et ce n'est pas pour ça que ça va peser comme un poids terrible sur la tête. Parce que soupçonne de rien de ce qu'on l'a accusé. Mais à un moment donné, il a dit des conneries. Et on a dit beaucoup de conneries sur lui, surtout. C'est vrai. Il a l'humour œcuménique. Bah pas tellement. C'est-à-dire quoi, œcuménique? Œcuménique, c'est une... c'est une ancienne copine. C'est un film porno dans lequel il a tourné. Œcuménique, ça s'appelle. C'est vieux. Je ne veux pas reparler de cette période... C'est polythéiste. Dieudonné peut tout dire parce qu'il est toujours en empathie avec les gens sur lesquels il fait de l'ironie, y compris sur les femmes. Mm. Vous dites des horreurs et on les prend bien. Perry Cochin, notre musulmane à nous. Salam alaikum. Oui. Alaykoum assalam. Mais alors, vous êtes musulman, c'est ça ? Je ne sais pas si vous... Ah non, pas du tout. J'ai jamais dit ça. Non, mais parce qu'il m'a dit salam alaykoum comme ça. Oui, j'adore quand vous parlez arabe, on a l'impression que vous nous insultez. Allez-y. Ismak Sahel. Ma quoi, ben Wundo. C'est-à-dire, moi, si je commence à aller chercher la loi, là. Je dis du Cameroun. Non, je demandais. Je vous posais la question de savoir si votre prénom était facile à porter, parce qu'il est lourd de symbolique, et est-ce que on peut gérer ça facilement, ou est-ce que... C'est le poids de l'évangélisation, hein. Je m'appelle Dieudonné Mbala Mbala. Enfin, parce qu'au départ c'était Élie et Dieudonné, on ne pouvait pas mettre Élie Semoun et Dieudonné Mbala Mbala, ça commençait à faire un texte un peu long. Vous dites que vous avez été vendeur, c'est peut-être pour ça que vous savez si bien être comédien, parce qu'il faut vraiment être comédien pour être vendeur. Non, j'ai été vendeur pour payer un petit peu l'époque où l'écriture ne me donnait pas à manger. Vous seriez capable de vendre Gérard Miller, puisque vous êtes capable de vendre n'importe quoi. Moi, ce que j'ai voulu vous amener ce soir comme produit, c'est un produit phare. Hein, on en a un, je vous en ai amené un modèle. Allez-y, vous pouvez le toucher, faites-vous plaisir. Hein, vous pouvez vous le faire passer, c'est un Gérard Miller. C'est une personne de compagnie, hein, c'est ce qu'on appelle ça comme ça, personne de compagnie, même si c'est un objet. Il est considéré en bien meuble, hein, mais c'est une personne donc douée d'une certaine intelligence. Vous le connaissez personnellement, vous connaissez un des modèles, je crois que vous en avez passé un modèle. J'en ai pris un pendant quelques temps, oui. Voilà, vous avez été content de ce modèle ? Oui, j'étais content, je me suis habitué. Alors sachez que le plus important dans ce modèle-là, c'est que jusqu'au 30 février, hein, donc... Il y aura une remise exceptionnelle de 40%, hein, et c'est pour ça que je venais en télévision. T'imagines, pour en il parler. Te brade déjà. Non, mais on est non je ne le brade pas. Je vais vous expliquer pourquoi, ouais, et vous allez comprendre parce que vous êtes intelligente. Le Gérard Miller est aujourd'hui un produit qui va être vendu, et là c'est un scoop que je vous offre, hein, à la télévision française et sur France 2, va être vendu aux États-Unis à partir de mars prochain. Donc, inutile de vous dire que ce produit va exploser un peu partout. Donc, nous faisons une remise spécialement pour la France, hein, de 40%. Je crois que vous en avez un modèle, vous pouvez dire aux Français, hein, vous en avez été très content. En plus de ça, bon, il a fait de la psychanalyse, tout ça. Donc, ils ont été formatés, programmés, si vous voulez, à une discussion. Vous aimez bien quand Gérard se force à sourire, regarder sur les écrans.
vu à la télé. J'étais en train de me dire que moi-même j'en aurais bien acheté un en plus. C'était pas mal. Vraiment, alors quel mégalo. Allez, Dieudonné vous parle divorce. Alors ce sera l'Olympia le 17 février, en rodage, en échauffement, comme on dit, oui. Les 12 et 13 février à la Main d'Or, et puis ensuite en tournée, Mulhouse le 11 mars, Évreux le 21, Roubaix le 27 mars, Dijon le 28 mars et le 3 avril à Bordeaux. Vous connaissez l'émission, vous êtes déjà venu plusieurs fois, alors vous connaissez le dernier jeu qui s'appelle le... Qui a vu qui, voilà. Qui a vu qui. Allez, le premier, qui a vu qui. C'est Michael James. Ah, c'est pas Elkane. Ah merde, c'était dans François ou quelque chose comme ça. Elkane. Oui, mais c'est qui? C'est ça, c'est Elkane quelque chose. Mais si vous savez pas qui c'est, c'est que vous avez triché. Mais oui, j'ai regardé les photos. C'est l'héritier de... Agnelli. Bravo, l'héritier d'Agnelli. Exactement. Bravo, Pierre Cochard. Faut vous dire qu'il a 26 ans. Et que son principal concurrent, c'est son oncle, Umberto Agnelli, le frère de Giovanni Agnelli, qui est décédé, on le sait, avant le week-end, patron de Fiat, Ferrari et je vous en passe. Il a triché? Mais il ment comme il a. Mais on a tous triché, allez avouer maintenant, vous tous les trois, là. Oh, les salauds! Comme on a vu la liste, si des sanctions ne sont pas prises, nous quittons le plateau. Non, Gérard, mais non! Mais nous, on joue le jeu. Non, mais justement, nous aussi, on le joue pas. On va voir s'ils retiennent les noms. Pas trop photos. Oula. Il est déguisé. Il ressemble à un gars qui tient. Il est, vous dites? Pizzeria. Il est à côté déguisé. De chez moi. Il est pas un gars qui tient une pizzeria à côté de chez vous. Tenez, si on l'engageait comme pizzaiolo, il serait très heureux. Ah. Il est en prison. Ah oui, c'est l'homme qui a perdu les mains. Exactement, c'est le greffé des deux mains, Denis Châtelier, qui va mieux. Je sais pas, vous avez vu ça ce week-end. Ah, c'est super. Ça. Non mais ça va mieux pour lui. Non, ah mais oui, maintenant il peut porter des bagages. On remarque que c'est con ça, parce que. C'est vrai, franchement. Je suis pas trop lourd. Avant, il était tranquille, on lui portait maintenant. Qu'est-ce qu'il y a, Gérard? Quand on a un handicap, au contraire, on est ravis lorsque cet handicap est. Mais oui, je sais bien, je déconne. C'est de l'humour, Gérard. Ah oui. Ah. Moi, je pourrais pas vivre avec la main de quelqu'un d'autre. C'est un truc qui a plus jamais osé se gratter le cul, ça. Oh. C'est comme ça. Oh, on veut toujours un coin de table ou quelque chose comme ça. Vous pourriez, vous Si on trouve la couleur, oui, quand même. Et puis, il va y en avoir, forcément. Ah bah justement, après, on cherche des mains. Non, mais je suis très sérieux. Non, mais vous riez non, pas. Non, mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a très peu de gens qui ont cette carte de donneur d'organes. Ah, annule-moi. Je l'ai, oui, parce qu'un jour, j'ai pris position en disant il faut, et la personne qui était à côté de moi m'a dit ok, ben, fais-le. Oui, c'est ça. Et je l'ai fait. Mais ça me terrorise quand je la vois. Hein. Mais pourquoi? Tu seras morte de toute façon. Où est le problème? Oui, mais je suis pas pressée. Mais ça n'a rien à voir. Non, c'est... mais je sais, mais ça m'angoisse quand même. Les tricheurs que vous êtes tous les trois. Non, mais j'ai pas regardé. Je promets. On nous l'a mis sous les yeux, on a dû résister comme ça. Non, moi je n'ai pas regardé. Allez, vas-y, viens, on va voir. On comprenait pas ce qu'on lisait. J'en prendrais pas de vos organes, moi, tiens. Bah, par contre, si on peut nous greffer des cerveaux, on va s'arranger pour le... Allez. Il est où, Dieudo? Il est là, au théâtre de la Main d'Or, les 12 et 13 février. C'est de la Main d'Or? Ben oui, c'est ça. Oui, de la Main d'Or. Ça vous fait rire, ça? Donc, voilà. Oui, bah oui, c'est con, ça me fait rire. Et puis l'Olympia, les 17 février, puis la tournée à travers la France, je l'ai déjà dit, Mulhouse, Évreux, Roubaix, Dijon, Bordeaux. Merci, Dieudo. Merci à vous. À demain, 18h55. Merci. Merci.